pourquoi on fait ça? Pourquoi tu fais ça? Parce que je crois énormément en ce qu'on fait. Pourquoi lui et pourquoi pas moi? On peut y arriver? Ça me donne l'occasion de me révéler et je le fais parce que j'ai décidé. Moi, je suis comme ça, je m'épanouis comme ça. Je me bats pour mon bonheur et que j'en crée les conditions. Putain, qu'est-ce que c'est bon d'être dans le feu, quoi, et d'être actif. La chance, c'est déjà d'avoir du talent. Et je veux avancer, 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 avancer. J'ai besoin de ça, ça me nourrit. Ça te donne envie de crier cocorico. Si t'es pas optimiste, t'es pas entrepreneur. Te mets pas tes propres freins et ose rêver. Le seul talent, c'est la passion. Et les gens, ça, ils le ressentent. Ils le ressentent et ça trompe pas. Les gens disent, il faut pas faire ça, c'est impossible, ça marchera jamais. C'est là où sont les meilleures opportunités. Arrêtez d'avoir des idées et de se dire tout le temps, bah, cette idée, je l'avais eue. Non, il faut les faire. Je ne laisserai jamais le soin à quiconque de me dire quel est le sens de ma vie. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce délire, quoi? Comment c'est possible que je découvre à 35 ans que ça, ça existe? Deviens ce que tu es. Ton premier devoir dans la vie, c'est d'apprendre à te connaître pour être heureux et rendre heureux, quoi. Ce qui a le plus d'importance dans ta vie, c'est pas ce que tu connais avec quoi tu raisonnes, mais c'est ce qui va se passer demain et que tu n'attends pas. Des opportunités au cours d'une vie, tout le monde en a. Mais avec les mêmes signaux faibles, t'as des gens qui prennent des décisions opposées. T'es tout seul face à ton ordinateur, avec une idée et rien. Et là, tu te dis, ok, j'ai peut-être pas pris la meilleure décision de ma vie. Quand tu te lances dans une aventure avec tous ces doutes, toutes ces incertitudes... Il faut douter beaucoup pour arriver à quelque chose de solide. Pourquoi il faut pas se faire confiance? Parce qu'on n'a pas le bon outillage cognitif. Le mec est en train de péter 225 épisodes de Génération Do It Yourself. La situation, elle est ce qu'elle est. Ce qui est important, c'est de projeter quelque chose du futur. Je vais rejoindre mon projet, je vais faire quelque chose qui m'excite et qui me rend heureux et qui me donne ce sourire. Ça, c'est ouf, c'est vertigineux. Les passionnés auront vécu, les raisonnables auront duré. C'est aussi le voyage, c'est tout le processus et c'est pas uniquement la finalité. En fait, on n'a pas une vie professionnelle et une vie personnelle, on a une vie. Prends soin de toi. Si tu prends pas soin de toi, tu seras incapable de prendre soin des autres. Je suis ravi d'avoir perdu toutes ces fois quand j'avais entre 20 et 30 ans. Apprends-moi de ton échec, là. Apprends-nous. En fait, il y a un moment, il y a que des galères, il y a rien qui fonctionne. Il y a un moment où tu mets all-in, quoi. Tu peux râler un peu, tu peux te dire merde, on est dans la merde. Et puis après, tu fermes ta gueule et tu rames. Mais bien sûr, ça sert à rien. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais attends, je vais me le faire, c'est pas possible. Le mec, il fait des shortcuts après 2h45. J'en pleure.